Rugby, le jour de gloire est arrivé, puis reparti. Vous pouvez approuver, vous pouvez commenter et vous pouvez partager cette vidéo. Cocorico ! La cime de l'Olympe rugbystique, la première place du classement de l'IRB, le 15 de France l'a atteinte pour la première fois le 11 juillet 2022. Triomphe sans gloire qui devait plus aux échecs des Springboks et des All Blacks face aux Gallois et aux Irlandais qu'à une victoire étriquée contre un valeureux Japon à deux doigts de nous infliger une leçon. Petit rappel, le classement de l'IRB fonctionne avec des notes de 0 à 100. Lors de chaque rencontre, des points sont gagnés par l'une et perdus par l'autre, c'est un jeu à somme nulle. Entre dans les paramètres de l'échange de points le différentiel de notes des équipes avant match, qui joue à domicile, si c'est le mieux ou le moins bien classé qui gagne, si l'écart au tableau d'affichage du match dépasse 15 points, si le match a lieu lors de la Coupe du Monde, point de suspension. Le bail pour la marche la plus haute de ce podium fut de courte durée. Les Irlandais nous ont délogés de la cime et fait régresser au deuxième rang ce lundi 18 juillet en battant de rechef les All Blacks. Sick transit. Tout d'abord, bravo aux Irlandais. Notre rugby national était jusqu'à ce jour le seul à pouvoir se vanter d'avoir infligé aux terribles All Blacks deux défaites consécutives chez eux. Cette tournée triomphale de 1994 se concluait en outre avec la manière, par un essai époustouflant, une charge d'anthologie, une fulgurance de légende. Il est connu sous le nom d'essai du bout du monde. Il faut donc se réjouir que la deuxième équipe nationale à réaliser cet exploit soit irlandaise et surtout pas anglaise. Et puis, il convient de se poser la question de la pondération des tournées dans l'évolution du classement de l'IRB. En effet, il surpondère les rencontres ayant lieu lors de la Coupe du Monde, mais traitera de façon indifférenciée une rencontre lors d'un tournoi, Six Nations au Nord, Four Nations au Sud, et les test matchs, et autres rencontres sans réel enjeu. Celle-ci devrait, de mon point de vue, être sous-pondérée pour l'évolution du classement. Ces matchs ont pour intérêt principal de permettre de faire tourner l'effectif et de tester des nouveaux joueurs, de nouveaux attelages. Les feuilles de match ne sont dès lors pas représentatives de ce qu'elles seraient lors d'un match plus important, et ne pas minorer l'impact de ces rencontres induit sans doute des biais. Soyons clairs, aujourd'hui l'équipe type des All Blacks qui jouerait sur un terrain neutre 5 matchs de suite face à l'équipe type de l'Irlande ou de la France gagnerait sans doute au moins 3 de ces rencontres et plus probablement 4. Mais ne boudons pas le plaisir de voir une équipe de France plutôt en forme. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr commenter, vous pouvez approuver et vous pouvez partager largement cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Bonne journée !